Comme quoi, le Havre, c'est aussi une plage de sable, il n'y a pas que des galets. Bon, faut attendre la marée basse et c'est du sable qui reste mouillé, on ne peut pas tout avoir. Mais finalement, comme on le voit sur cette photo de Véronique Elena, ça crée un jeu de miroir du paysage extrêmement intéressant. L'architecture perrée de la porte océane vient se refléter sur cette surface trouble que forme ce léger film d'eau sur le sable. Ici d'ailleurs, on comprend bien pourquoi on appelle ces immeubles la porte océane. C'est le passage entre la ville et la mer. On pourrait presque couper la photo en deux, au niveau du haut des galets. Je suis un peu jalouse. Moi, à chaque fois que je veux photographier la pleine lune, ça rend rien du tout, j'ai juste un minuscule point blanc sur l'image. Ici, la lune remplace presque le soleil, tellement elle est grande et brillante. N'est pas artiste qui veut. En tant que médiatrice, on me demande souvent de répondre à des questions qu'on pourrait se poser sur les œuvres. Face à cette photo, j'ai envie d'inverser les rôles. Qui est cet homme et qui est cette petite fille? Peut-être un père et sa fille, mais après tout, c'est peut-être son oncle ou un ami de la famille. En tout cas, il doit y avoir quelque chose d'intéressant à regarder à droite. Il regarde vers l'entrée du port. Peut-être un bateau est en train de sortir ou d'y rentrer. Peut-être un de ces énormes porte-conteneurs que l'on voit si souvent défiler le long de la ligne d'horizon. La nuit est doucement en train de tomber, ce qui lui donne une atmosphère bleutée. Les gens ont allumé la lumière dans leurs appartements. Mais il n'y a pas toujours de rideaux aux fenêtres. Ça me fait penser à toutes ces fois où je me suis promenée dehors à la tombée de la nuit. J'avoue, je suis une petite curieuse et j'aime bien dans ces moments-là lever le nez au cas où je verrais passer une silhouette derrière une fenêtre éclairée en hauteur. Ambiance hitchcockienne où j'invente une activité et une vie à ces silhouettes. Devant cette photo, j'ai envie de faire pareil. Mais je suis un peu frustrée. Les fenêtres sont trop loin et je ne peux pas me rapprocher dans l'image.